I'll be gone till November. Going through the letters that I send her. Salut tout le monde! Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ pour vous remercier des 400 abonnés enfin eu grâce à vous. Depuis le temps que j'attendais ces 400 abonnés, ça faisait des mois et des mois que je les avais pas eu. Je verrai ce que je ferai au 500 si jamais vous voulez que je fasse un truc, vous me donnez des idées et je verrai. Peut-être pas que des FAQ à chaque fois. À part si vous avez des questions, bien sûr, je les prends et je les répondrai. Je les répondrai, c'est très français ça. Oui, je sais, moi la France ça fait deux. Sur ce, dans cette FAQ, il y aura une personne qui va me poser des questions. Yo! Voilà, vous aurez peut-être reconnu sa voix. Je pense pas, je suis inconnu. Vous le direz dans les commentaires si vous savez, vous mettez hashtag et son prénom. Et celui qui trouve, je fais un petit lien en PayPal. Oulala, ça fait du 5 centimes. Quoi? Hein? T'as dit que je vais faire combien? 1 centime. Non, je fais un connard, 10 centimes. 10 centimes. Sur ce, je vais aussi vous mettre une petite pub en mode n'hésitez pas à aller sur mon Utip. Très important d'aller sur mon Utip parce que grâce à vous, j'ai pu obtenir 10 euros dans mon solde au bout de 3 mois. 3 mois, c'est quand même pas mal, c'est beaucoup quand même. C'est ça, 3 mois, 10 euros, c'est déjà pas mal. Et plus on est, mieux je récolte et mieux c'est. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit, alors allez-y. Et en plus, c'est grâce aux 10 euros du type, tu as pu quand même t'acheter des micro-cravates qui vont pas tarder d'arriver. Exactement, en février aussi, c'est ce que je voulais dire. Merci à toi la personne qui est derrière la caméra. Que dès le mois de février, si je me trompe pas, il y aura un petit peu de matériel, des micro-cravates. Vous pourrez mieux m'entendre, nous entendre avec les personnes avec qui je serai dans les vidéos et ça sera mieux pour vos oreilles. Sur ce, on passe aux questions. As-tu de nouveaux projets pour la chaîne? Alors, des nouveaux projets, oui et non. J'ai commencé les lives sur PS4 qui sont les vendredis soirs et les samedis soirs si tout va bien, bien sûr. De toute façon, vous êtes prévenus sur Discord si j'ai un imprévu. Pendant les vacances, il y a pratiquement tous les soirs quand je peux. En avenir, peut-être essayer d'avoir plus de matériel, comme là pour les micro-cravates, etc. Après, en tout ce qui est vidéo, pas spécialement parce que je n'ai pas de studio ni rien. J'ai pas de bon PC pour faire tout ce que je veux dessus. Voilà, après ce sera des vidéos comme habituel, des vidéos sur téléphone en jeu, des vidéos téléphone IRL. Puis des live PS4. Qui fait les miniatures pour tes vidéos et tes lives? Cette personne là c'est Puissant Nono, hashtag Xaltix, si je me trompe pas, oui non, c'est ça, si j'ai Puissant bien prononcé. Nono. qui m'aident beaucoup sur ça, même sur des idées de vidéos, des questions, des trucs comme ça, ils m'aident énormément. Voilà. Merci Nono. Voilà, merci à toi. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, on va dire, de rencontrer des youtubeurs, d'avoir un studio chez eux, comme pour aller exemple à la Redbox, ou je crois qu'il y a un truc à Paris, c'est la Web Media. T'en as aussi à Bordeaux? Ah ouais? Oui. Je l'ai pas. Moi non plus, je l'ai appris il y a quelques mois seulement. Ah d'accord. Moi je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah mince alors. À Paris t'as la YouTube Space je crois aussi. Peut-être. Je sais pas du tout mais c'est un truc comme ça. Plus grand rêve, nager avec des dauphins. Enfin voilà. Il est marqué ton pape, t'es. Pas grave, j'en ai dit plusieurs. Ok. Qui fait le montage de tes vidéos? Alors, à l'époque c'était moi-même. Après, il y a eu différentes personnes qui ont été citées dans les vidéos auxquelles ils ont fait les montages. Et en ce moment, auquel vous regardez la vidéo, c'est Nervas. Un super abonné qui s'est proposé comme ça du jour au lendemain en mode t'as dit que je te passe tes montages? Merci Nervas. Oui. Voilà, merci à toi. Quel est ton meilleur pote sur YouTube? Alors, j'en ai pas de pote sur YouTube. Non, quel est ton meilleur pote? C'est ta pote. Alors, dans la vraie vie, je n'ai pas de meilleur pote, il n'y a que des potes gentils, etc. Mais je n'ai pas de meilleur pote parce que je leur ai pas demandé si, exemple, machin, tu voulais être mon meilleur pote. Mais voilà, sur ce, on passe à la suite. Qui fait ça de nos jours? Que penses-tu d'une chaîne de live? Alors, une chaîne de live, j'en avais pensé à un moment donné quand je faisais un live. Mais en réfléchissant, vu le peu d'abonnés que j'ai, ça ne sert strictement à rien que je fasse une chaîne de live. Si j'ai exemple 10 millions d'abonnés comme Squeezie, lui il a fait une seconde chaîne gaming, là d'accord parce qu'il a assez d'abonnés, il peut faire vidéo d'un côté, live de l'autre comme il veut, mais pour moi actuellement 400 abonnés c'est rien, ça ne va pas amener des abonnés.
Oui. Mais aussi, du coup, bah, ce serait con de faire une deuxième chaîne YouTube que pour les lives. Autant faire une chaîne Twitch, non? C'est ça. Si je fais que des lives, bien sûr, ça sera peut-être plus sur Twitch, mais c'est à voir. Qui est le meilleur modo? Il n'y a pas de meilleur modo. Élu modo du mois. Là, je veux la petite certification pour le meilleur modo du mois. Il n'y a pas de meilleur modo du mois. Les seules personnes qui ont été là très très souvent, ça a été Puissant Mono. Après, quand j'ai mis récemment, il y a eu Gotagix, je sais pas comment ça se dit, désolé à toi, vraiment désolé. Mais je vais t'appeler Gota, tu te reconnaîtras. Il y a eu un Maël aussi à un moment donné qui venait sur mes lives. Voilà. Mais bon, là, c'est pas dit dans l'ordre, hein, c'est dit un peu aléatoirement. Voilà. Après, il y a un petit peu Alien, mais il vient très 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 rarement. Dommage à lui. Enfin, après, il a sa vie, hein, mais voilà. C'est quoi le métier que tu veux exercer plus tard? Alors, de base, c'était dans la menuiserie, mais maintenant, ça a un peu changé, parce que le nom de la menuiserie a évolué. Et maintenant, c'est encore plus galère et j'essaye de trouver d'autres métiers. Et en attendant, bah, j'ai un petit métier le matin et puis l'après-midi, on verra ça plus tard. Alors, pas pour l'instant, à moitié. Sinon, c'est à voir au fur et à mesure. Peux-tu attraper le respect? Respect, est-ce que tu es là? Attends. Non, j'arrive pas à l'attraper parce que là, ça ne. Tiens, sur l'envoi. Ah, c'est lui qui m'a tapé par contre, ça se fait pas. Est-ce que le montant il pourra faire le respect qui t'arrive dans la gueule? À lui de voir. Le respect ça ne s'attrape pas, on l'a, enfin on l'obtient, enfin on se fait respecter quoi, c'est ce que je voulais dire. Mais les gens vont te respecter et voilà, enfin, tu l'attrapes pas comme ça quoi, tu l'attrapes avec tes deux mains en mode viens là. Allez, le monteur, deuxième respect. Quel est ton jeu vidéo préféré? Je n'ai pas de préférence, mais sur ceux que je joue, exemple, il y a FIFA, les jeux Mario, comme Mario. Je vais dire Mario Bros, mais ça c'est sur DS. Il y avait Mario Kart, aussi sur Switch aussi. Sur Wii. Sur Wii. J'ai dit sur Wii. Ah d'accord, c'est pas une vraie. C'est pas grave. Les jeux préférés. Enfin, de toute façon, tant que c'est moi, c'est pas de la guerre. Tant que c'est pas des trucs avec des armes et tout, et de la guerre, moi ça me va. Mais qu'est-ce que tu aimes comme loisir ou activité? Bah le foot, voilà. C'est tout? Ah, bah après je sais pas si ça peut compter le montage, les vidéos et trucs comme ça, je sais pas si ça peut compter comme un... Oui, ça peut compter comme un loisir. C'est un loisir, je crois. Ouais, ça peut compter aussi, hein, faire des vidéos, etc. Tout ce qui est dans l'audiovisuel, tout ça, moi j'aime. Mais pourquoi pas en faire ton métier? Bah ça peut le devenir si j'ai assez d'abonnés. Ça peut le devenir, c'est pour ça que je compte sur vous. Oui. Allez, allez, go vous abonner à la chaîne. Un duo avec une autre chaîne? Oui, bien sûr, c'est actuellement déjà fait en place. Nous faisons très peu de vidéos et j'essaie de vous en poster une fois par mois, voire deux fois par mois actuellement. La chaîne s'appelle Lessie, ça sera marqué je sais pas où dans le cadrement. Ça va flotter un petit peu partout, je pense. C'est comme le logo DVD sur les anciens lecteurs DVD qui fait boum. Ah oui, les trucs qui bougent dans tous les sens, je vois. Et puis, façon, normalement, dans la description, il y a déjà le lien, si je me trompe pas. Et puis, j'en parle déjà sur mon Discord. Il y a déjà quelques gens qui sont déjà abonnés. Nous sommes 18 abonnés sur la chaîne. Je suis abonné. Parfait. Alors là, c'est parfait. C'est meilleur si en vous même dites temps. Tout ça sur les 400 abonnés, je vous aime. Bon, après, le contenu est différent par rapport au mien. Parce que moi, c'est en plus du gaming. Alors, sur les sites, c'est plus, on va dire, girly, trop défis, fashion. Challenge, tout ce qui bon, de toute façon, notre tête, voilà. Trop fashion. Trop fashion. Une rencontre abonnée de prévu? Actuellement non, mais ça peut se faire au fur et à mesure qu'on monte avec les abonnés. Exemple dans les BGF. Board Game Festival. Après si j'arrive un jour à monter à Paris quand il y a leur Paris Games Week. Voilà. C'est bien, il complète mes mots. Il pose des questions, mais il complète mes mots. Best of the dead. C'est ça. Et les... Bonjour. Et les... animateurs.
Même si Animagia, j'aime pas trop, je suis pas trop fan. C'est pas vraiment rencontre à monnaie, ça. Voilà, c'est plus BGF. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir, mais. Moi, je dis, au 500 abonnés, tu fais une rencontre à monnaie. J'étais en train d'y penser en mode. Ouais, mais ça peut se faire aussi. 500 abonnés, tu fais une rencontre à monnaie sur Bordeaux. C'est ça. Mais il y a pas beaucoup de gens à Bordeaux, mais c'est à force. Plus on est, plus il y aura et plus on se verra. Bah, sinon, tu vois, sur PayPal, tu crées une cagnotte, tu fais pour que je monte à Paris. Tu vois, c'est genre donné. Ouais, mais bon, voilà. C'est à voir. En soi, le prix du billet sur Paris, c'est quoi? C'est 30 euros? Donc, il te faut 60 euros pour l'aller-retour. C'est que 30 euros? Ouais. Pour moi, les voyages, c'est hyper cher. Attends, je vais te dire ça. Ah merde, j'ai pas monté d'âne. Mais en gros, je te montrerai après sur la SNCF, c'est 30 euros. Eh ben, faut que je voyais ça. Bon, bah, s'il y a une cagnotte, ce sera en description. Si jamais il y a, ouais, je le ferai. Mais voilà, on verra. Comment tu fais tes modérateurs YouTube? Tu les recrutes comment en fait? Et surtout, c'est ouvert actuellement ou pas le recrutement? Alors, quand je lance des lives, bah, je vois votre activité. Si jamais vous voulez être modo, bah, il faut qu'au moins dans le mois, dans les deux mois qui suivent, que vous soyez énormément actif. Ça veut dire être là. Ça, c'est un message pour moi, je crois. Pour ceux qui sont concernés, bon, voilà, vous reconnaîtrez. Mais pour ceux qui veulent être mono, enfin, voilà, il faut être actif tout le temps à tous les lives que je lance. Surtout qu'en ce moment, bah, j'en lance plus qu'avant, que j'avais arrêté le live, puis je les reprends. Ça fait que vous êtes un peu perdu. Et voilà, il y a une. Voilà, ça fait la vague. Et pour les recrutements ouverts ou pas, oui et non. Ça dépend du nombre qu'on est sur les lives. Si on est 3, ça sert à rien d'avoir 50 000 modérateurs. Alors que si on est une centaine sur les lives, oui, il faut beaucoup plus de modérateurs. C'est à voir au nombre de gens qu'il y a dessus. Je vais te faire un petit mouvement. Ça se voit quasiment pas sur la cam. Je sais pas. C'était la dernière question. Bah, sur ce, j'espère que cette FAQ vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais, avec la joie que je pouvais, et essayer de rendre ça plus fun. Arrête de bouger cette caméra. Mais je ne la bouge pas. C'est juste ton hallucination. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tu t'es failli se lier à droite. Merde, putain. C'est trop près. Plus là. Ah, c'est trop près. C'est bon, je vais quitter. C'est bon, a wimbo way, a wimbo way, a wimbo way, a wimbo way.